Nous voici aujourd'hui aux casernes de Sion pour la troisième édition de Rally for Smile. Un énorme plaisir pour moi d'accueillir autant de personnes pour une bonne cause. Je suis très heureux aussi d'avoir à mes côtés Madame Meyer et Sébastien Caron, notre parrain. Et je passe la parole à Madame Meyer, vice-présidente de l'association soutenue cette année, Enfance et Maladies Orphelines. Alors notre association, Association Enfance et Maladies Orphelines, est une association qui a pour but d'aider financièrement des familles qui ont des enfants atteints de maladies rares, de maladies génétiques. Et en fait, le but de l'association, c'est de prendre à notre charge tous les frais qui ne sont pris ni par les assurances, ni par l'AI. Et également, nous soutenons d'autres associations à but similaire et également des programmes de recherche. Nous avons actuellement près de 150 familles en Suisse que nous soutenons, que ce soit en Suisse romande, Suisse allemande ou Tessin, et également des familles pour qui nous finançons des thérapies qui se passent à l'étranger, qui sont des thérapies pour améliorer le comportement moteur et sensoriel des enfants. Et ces thérapies coûtent très cher, mais par contre sont extrêmement efficaces. Rally for Smile a également la chance d'avoir à ses côtés un parrain et une marraine. Le parrain, je l'ai à côté de moi, c'est Sébastien Caron, champion suisse en titre des rallyes. Fanny Clavien n'est pas présente aujourd'hui, mais elle nous soutient et nous aide énormément aussi pour apporter aussi aux enfants beaucoup de sourires et aussi pour nous aider aux relations avec les partenaires et autres. Donc Sébastien, je profite aussi de te remercier de ta présence aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée et puis que tout se passe bien aussi pour toi. Alors je te rassure Pierre-André, je passe une très belle journée. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de donner du sourire aux enfants, aux familles aussi. J'étais présent l'année passée en tant que pilote et c'est là que j'ai découvert cette manifestation. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à partager du moment avec des enfants qui ont eu des maladies, qui étaient atteints d'autres choses. Et cette année, c'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté de devenir parrain de la manifestation. Pour aider aussi Pierre-André dans ses démarches, je te félicite pour tout ce que tu fais Pierre-André. Il faut des gens comme ça qui donnent l'impulsion, qui font des choses pour les enfants, pour les familles. Et un grand merci et passez... Mais bon, faut pas dire ça parce qu'ils ne pourront plus passer. Il faudra couper. Et on passe une très belle journée aujourd'hui. Bonjour, Marc Valiccioni, donc pilote de rallye sur le championnat suisse avec cette Porsche. Qui est aujourd'hui adapté en configuration rallye, je dirais route, avec quelques modifications de suspension, etc., boîte de vitesse et un moteur un petit peu dégonflé. Et on est venu participer à cette magnifique journée pour une cause absolument formidable. Et on se régale, le temps est beau, les gens sont sympathiques, et on fait découvrir des sensations en toute sécurité à un grand nombre de personnes. C'est vrai qu'on me demande souvent pourquoi je me suis lancé dans cette aventure un peu folle. Certains m'ont dit « t'es fou ». C'est vrai qu'à mon vécu un peu particulier, on m'a découvert que j'étais porteur sain de la mucoviscidose. Ça date déjà longtemps, quand j'essayais d'avoir un enfant. Et puis ça m'a beaucoup touché, je me suis posé beaucoup de questions. Et par la suite, quand j'ai eu un petit garçon en bonne santé, je me suis dit que j'étais très chanceux. Alors c'est parti de là, et puis je me suis dit, je veux apporter quelque chose à des gens qui n'ont pas ma chance. Et voilà, c'est un peu, on va dire, le vécu de Rally for Smile. Au début, c'était le rallye roule contre la mucoviscidose, et après, on s'est dit, pourquoi pas apporter du sourire à tout le monde, à tous les enfants. Alors bonjour, donc je suis venu à Rally for Smile avec mes deux enfants, ceux que vous voyez sauter, Samuel, et celui qui va apparaître s'appelle Adam. Donc on est venu ici... c'est grâce à Samuel, parce qu'il bénéficie en fait de l'aide de l'AMO. L'AMO, c'est une association qui aide les personnes atteintes de maladies rares. Et puis, donc l'AMO nous a invités à venir au Rally for Smile. Samuel et son petit frère ont pu faire un tour en voiture de rallye. C'était une première. Et puis, ils ont eu beaucoup, beaucoup de plaisir, un grand sourire. Et ils veulent refaire un deuxième tour cet après-midi. Alors voilà. C'est vraiment super, bravo à tous. Et salut à tous, alors voilà la motivation de la journée, elle est magnifique. On a Pierre-André Terretta qui est une belle personne qui a fait ça. Et puis nous, il nous est arrivé une petite histoire au Rallye du Valais avec lui, c'est pour ça que moi, ça me tenait à cœur de venir ici.
Et puis là, c'est génial, on est en train de chercher un enfant là pour venir avec moi. Et puis on s'amuse, en plus on peut régler nos voitures, on a le beau temps et tout. Donc voilà, c'est magnifique. Donc on est heureux d'être là. Participer, d'avoir pu mettre de l'argent, je sais où elle va mon argent, pour une bonne cause. Et puis que du bonheur. Et puis bon, on aime la passion automobile, et puis voilà quoi. Ah, c'est une super journée, il fait grand beau, il fait super chaud, les pilotes sont super top, et puis pour rouler comme ça en copilote, c'est génial pour tester plein de voitures différentes. Alors, je voulais remercier déjà M. Pierre-André Terretta pour tout ce qu'il a fait, pour l'organisation. Et je pense que je ne me trompe pas si je le remercie au nom de l'association et au nom des enfants. Là, il leur a donné un énorme et magnifique souvenir pour la vie. Merci. Merci à vous deux. Ça me fait chaud au cœur de recevoir des compliments. C'est pas trop mon truc. J'aime bien faire mes petites choses discrètement d'habitude. Maintenant, voilà, c'est pour la bonne cause, donc il faut le faire. Je remercie, moi, pour finir, en fait, toutes les personnes présentes, bénévoles, partenaires, etc., parce que je pense que je vais en oublier. C'est juste une toute belle journée qui se déroule actuellement et je suis très heureux du soutien et du sourire des gens. Alors, merci à tous.